Je m'appelle Kirai, je suis coordinatrice en communication et en engagement des membres chez le COCO, c'est le Centre des organismes communautaires, et je suis aussi formatrice en lutte contre les oppressions et en médiation de conflits. Pour la lutte contre les oppressions ou l'anti-oppression, c'est un concept assez vaste, mais qui veut dire que les systèmes de pouvoir mondial, global, historique et systémique, disons le sexisme, l'homophobie et le racisme, par exemple, affectent nos relations interpersonnelles et affectent non seulement, des enjeux comme la santé et l'éducation, mais aussi comment je travaille avec mes collègues, comment on réagit aux clients, nos relations de pouvoir à l'interne de nos organismes ainsi qu'à l'externe. Fait que, comme concept, ça nous donne une stratégie pour comprendre comment les systèmes de pouvoir et de discrimination qui semblent être assez énormes impactent nos vies personnelles. Est-ce que ça veut dire aussi que ça nous demande de réfléchir sur nos propres privilèges ainsi que nos propres expériences d'oppression? Par exemple, pour moi, j'ai une expérience en tant que femme, mais mon expérience en tant que femme, c'est assez différent que d'autres femmes. J'ai des expériences vraiment différentes que d'autres femmes qui sont peut-être autochtones, qui ont eu moins d'accès aux ressources ou à l'éducation. Et ça, ça me donne des expériences précises et aussi des moments où moi, j'ai beaucoup de pouvoir sur d'autres personnes. Et de comprendre non seulement mon propre oppression en tant que femme, mais aussi mon propre pouvoir. C'est une approche féministe. Mais ça incorpore aussi des points de vue antiracistes, anticoloniales, des questions de sexualité, des questions aussi de capacitisme et de handicap, d'intégrer tout ça dans notre compréhension de nos milieux de travail et notre mission comme organisme aussi. D'un côté pratique, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que ça affecte non seulement le contenu que j'apporte, mais aussi comment je réagis à différentes personnes dans la salle, comment est-ce que je peux construire un milieu de réflexion sur moi-même et sur un milieu où tout le monde peut facilement réfléchir sur leur propre pouvoir. Entre l'approche anti-oppression et l'approche d'une pédagogie féministe, il y a beaucoup de similarités et aussi quelques différences. Mais c'est sûr que l'anti-oppression, les valeurs d'anti-oppression, les concepts d'anti-oppression sont vraiment ancrés dans le travail que les féministes ont fait depuis longtemps. Et c'est une relation incroyablement importante. Mais il y a aussi quelques différences. Une des différences, c'est que le féminisme et les idées féministes ont souvent évolué dans des concepts, dans des contextes privilégiés, soit des contextes universitaires ou d'autres contextes militants, mais quand même privilégiés, surtout des contextes de femmes blanches et des contextes de femmes qui sont un peu plus riches. Fait que c'est des idées qui ont un peu été contrôlées ou limitées à cause de leur contexte. Et les concepts d'anti-oppression n'ont pas été aussi impactés par ces sortes de contextes. C'est plutôt basé dans le populaire. Fait qu'avec l'anti-oppression, on voit que ça évolue vite. C'est pas contrôlé par les universités ou par d'autres contextes de privilège. Et ce que ça donne, c'est que ça nous demande aussi d'avoir un engagement autant sérieux avec des questions de féminisme qu'avec des questions de racisme, de capacitisme, de colonialisme, par exemple.
Ça donne la parole aux personnes qui sont le plus affectées par ces sortes d'enjeux. Fait que pour moi, le féminisme, une pédagogie féministe et une pédagogie anti-oppressive sont définitivement pas en conflit avec l'un et l'autre, mais une approche anti-oppressive peut demander un engagement avec d'autres enjeux, autant que des enjeux de genre, et un engagement avec les paroles, la parole et les voix des personnes qui ont été exclues de ces sortes de cercles et de milieux.